Voilà, accompagnement basse plus 8 basses, deuxième volume. Bah, aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc encore un peu simple. Ça dépend de la façon dont vous allez développer ça chez vous à la maison. Comment? Je vais commencer par jouer et après, je vais vous expliquer. Donc c'est pas trop compliqué, c'est un truc vraiment simple, donc je fais ça, la main gauche. Le but c'est de jouer avec le 5 doigts dans la main gauche pour permettre d'avoir un peu la souplesse quand vous voudriez faire d'autres choses, un jazz, ou quand vous voudriez improviser ou faire quoi, je sais pas moi. Mais le plus important c'est de faire jouer avec le 5 doigts quoi, donc je fais. Vous voyez, les 5 doigts sont en mouvement. Vous voyez? Et la main droite, je fais un truc seul. D'accord. Donc quand tu mélanges les deux mains, tu vas voir. C'est la même chose que j'ai joué ici. Donc la main gauche, je fais deux phrases, excusez-moi. Je fais. La deuxième fois, je fais. Vous voyez? Donc je fais la première fois. Et la deuxième fois. D'accord? Donc, jouer ça et dans nos prochaines vidéos, quoi. Je joue ça pour la dernière fois. Donc, tu peux bloquer la main gauche. Allez, jouez ça dans nos prochaines vidéos, on va voir.
Vous voyez, donc moi je fais cette vidéo tout simplement pour aider les personnes qui jouent de piano, qui jouent au piano seul avec un batteur. Et souvent ça pose des problèmes. Par exemple, du vieux que je fais, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent parfois, ils se retrouvent un pianiste et un accompagnateur. On ne sait pas qui va faire quoi. Vous voyez? Déjà, si tu connais jouer la guitare basse au piano, tu connais quelques accompagnements, tu connais quelques morceaux de solo sur le piano, le synthétiseur, comme les autres aiment le dire, vous pouvez bien arranger la musique parce que vous allez vous comprendre. Accompagnant là, parce que l'accompagnateur fait un truc, s'il joue la guitare accompagnement, toi tu couvres avec la guitare basse et quelques petits trucs de solo et. Vous voyez que les choses vont aller trop bien, quoi. Donc, c'est ça le but de. Donc, chaque jour, quand je dors, je me réveille. Moi aussi, j'avais ces problèmes, comme vous aussi. J'avais des problèmes. Souvent, on se retrouvait comme ça. Tu pars jouer quelque part, tu n'es qu'avec un batteur. Vous voyez, quand tu fais, par exemple. Regardez. Imaginez. Vous voyez? J'ai joué un trop beau truc avec la main droite, mais la main gauche ne fait absolument rien. Vous voyez qu'il y a un grand vide. Mais quand je couvre ça, vous voyez maintenant que ça devient comme si on jouait, il y a plusieurs personnes qui sont en train de jouer. Vous voyez? Donc c'est ça le plus important. C'est ce que je me dis tous les jours quand je me retrouve devant le piano. Je dis qu'est-ce que je peux faire de mieux? Tout simplement pour faire plaisir aux gens et tout, vous voyez? Pour bien jouer aussi, mais je vous conseillerais de pouvoir travailler. C'est pas facile. Tu peux voir ça comme ça, tu essaies, ça marche pas, mais il faut travailler, travailler, travailler. Vous allez voir que par après, ça va venir. Allez, merci, abonnez-vous, faites des propositions. Je suis là pour vous et vous allez avoir pas mal de trucs. Vous ne serez pas déçus. Jusque-là, on n'a pas encore fait des trucs que j'avais promis pour la rumba, du salsa, bossa nova. Il y a trop de trucs qu'on va voir, mais. Abonnez-vous tout simplement, vous ne serez pas déçus. Merci bien et dans nos prochaines vidéos.